Gilles, un petit tour. Allez. Oui. Est-ce que tu veux examiner la pièce de 2 euros? Parce qu'on pourrait penser qu'elle est truquée. Non, elle est normale. Ouais, sûr? Ouais. Alors tu pourrais peut-être penser qu'il y en a une qui est en double. Parce que bon, ça existe des pièces ouais. De 2 euros toutes identiques. Est-ce que tu peux signer la pièce? Au moins comme ça, on est sûr à 100% qu'il n'y a pas de double. Super? Ouais. Bien signé? Ça part pas? Bien. Est-ce que tu veux examiner le foulard? Il n'y a pas de trappe, pas de truc caché dedans, pas d'éléphant? Non. Ok. Non, bon. Alors ce que je vais faire, ça va être très très simple. Je vais venir, voilà, prendre la petite pièce. Ok. Je vais juste comme ça la mettre au milieu. Okay. Ouais. Voilà. Et toi, tu viens et t'attrapes en fait, tu la tiens comme la ça sur, ouais, sur le côté. Ok. Voilà. Ok. Ouais. Et tu bouges plus. D'accord. Donc, est-ce que tu sens que si tu serres, tu peux pas l'écraser? Bah ouais. Ok, super. Maintenant, tu vas tenir la pièce comme ça par le dessus. Par le dessus, ouais. Comme ça. Voilà. Et maintenant, dès que je vais claquer des doigts, tu vas sentir la pièce qui disparaît. Ok. On regarde bien. 1, 2, 3. Tu sens encore? Ouais. Attends, on va le refaire. C'est mon premier tour, hein, donc attention. Non plus. Non plus? Ah. Attends, on va juste faire comme ça. Non plus. Une formule magique peut-être? Oui, une formule. T'en connais une? Non. Non? Non. Abracadabra? Ouais, allez, dès que tu dis abracadabra, elle disparaît. Attention, 1, 2, 3. Abracadabra. Non? Non. Il y a un souci. Tu peux regarder la pièce? C'était quoi déjà? Oh merde! Ah ouais, d'accord. À 50 centimes. Ouais, voilà. Ça a manqué, c'était quoi la formule? Parce que hein, c'est bizarre. T'es sûr qu'elle n'est pas dessous, cachée quelque part? Bah non. Parce que je crois que j'avais une formule ici en fait, dans une boîte, une vieille boîte que m'avait donné mon grand-père. Bon, c'est une boîte en plastique, hein, donc il n'était pas vieux, mon grand-père. Et il m'a dit dedans, il y a la formule magique qui fait que le tour fonctionne. Ok. Tiens, tu veux examiner? Oui, tu peux secouer. Voilà, ouais. Donc déjà. Ok. Il n'y a pas la pièce. Est-ce que tu peux ouvrir comme ça? Donc enlever les élastiques une par une. C'est bien fermé, il n'y a pas de trou. C'est bien fermé. T'as bien vérifié? C'est bien fermé. Bien, super. Et à ton avis, dans la boîte, il y a quoi? La pièce de 2. Non. Ah ouais, d'accord. Non, je t'ai dit, la pièce, ça a dû louper. Je sais pas, tu peux secouer? Il n'y a plus rien. Et à ton avis, dans la boîte, c'est bien fermé? Regarde bien si c'est bien fermé. Ouais, non, mais. Ok, mais à ton avis, dans la boîte, il y a quoi avant d'ouvrir? Tu mets dans la pièce? La formule. Yeah. Oh putain. Un petit sac. Et dans ce petit sac, enfermé par un élastique, il y a ta pièce. Oh là là. Ça, c'est étonnant. Ah ouais, c'est étonnant. Comment il s'appelle déjà, Thierry, ce tour? Cyberpièce. La cyberpièce. Bizarre, hein? Ouais, très bizarre. Bravo. Bravo.